d'abord la guide sur ces critères d'État américain aux affaires africaines. Merci, le Président. Merci. Notre ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. It's a royal pipe. It's royal. Yes. Wow. Thank you very much. And Excellency, Mr. President, this is you with the chair. Yeah, with the chair. Ah, c'est bien, c'était où, à la Maison Blanche? C'était à la Maison Blanche, oui. Et vous, c'était seulement hier, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. 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 À la prochaine. Merci, Monsieur le Président. Pour moi, c'est un grand honneur. Comme vous le savez, j'ai travaillé ici. Il y a presque 30 ans maintenant. Et oui, Son Excellence, Monsieur le Président et nous avons eu une très bonne discussion sur les relations entre nos deux pays, tous les sujets, et nous allons continuer les discussions avec les autres membres du gouvernement. Pour les États-Unis, le Cameroun, c'est un pays vraiment important. Et il y a beaucoup, qu'est-ce que c'est, topics? Beaucoup de sujets entre nous. Bien sûr, les discussions sont privées. Je ne vais pas donner les détails, mais bien sûr, nous avons discuté tous. Monsieur le ministre, votre arrivée au Cameroun a été précédée par un certain nombre de déclarations oui. qui ont été diversement interprétées. Maintenant que vous êtes au Cameroun, avez-vous la même perception du pays que celle que vous aviez avant d'arriver ici? Voilà. Avec la presse, je suis ou un diable ou un ange. Je suis ni l'un ni l'autre. Je représente le gouvernement des États-Unis. Vous avez ici un de nos meilleurs ambassadeurs. Il parle aussi pour le gouvernement américain. Je connais le pays assez bien et j'ai beaucoup d'intérêt dans les sujets de pays. Pour moi, je vais toujours garder dans mon cœur une chaleur vers les peuples, vers le pays. Et ça m'intéresse beaucoup.